car dis-leur qu'on n'est pas tous mauvais, Nico Anelka. C'est vrai que souvent on s'est pas fait, époque Anelka. L'hypocrisie n'est pas ce qu'on pense, dis-leur Anelka. Inclassable mais on avance, époque Anelka. Dis-leur qu'on n'est pas tous mauvais, Nico Anelka. C'est vrai que souvent on s'est pas fait, époque Anelka. L'hypocrisie n'est pas ce qu'on pense, dis-leur Anelka. Inclassable mais on avance, époque Anelka. Année 2000, difficile de dissocier le football des Tessis. Insociable comme ils disent, jour insertion pour nous en société comme Nico en club. Et retour au PSG, un an et demi, bug et talent gâché. Un passage chez les Reds, 2002, Coupe du Monde sans Nico. Débarquement illico à Manchester City. 2003, voilà mon fils, pas novice. Avec Abri en première ligue, il ne fait pas l'euro. On dit merci à Santini en 2005, le trappiste posé par les en Turquie. Retour chez les Bleus, mais Coupe du Monde encore ratée. Comment peut-on se passer d'un joueur avec autant de qualité? Ils ont tellement jacté sur lui, ils en ont fait des tonnes. Et finalement, un écart pour sa valeur à Bolton. Toujours méfiance, n'est pas le genre à faire du Manessi. Demande au Milan qui leur a mis 4 buts avec Chelsea. Dis-leur qu'on n'est pas tous mauvais, Nico Anelka. C'est vrai que souvent on s'est pas fait, époque Anelka. L'hypocrisie n'est pas ce qu'on pense, dis-leur Anelka. Inclassable mais on avance, époque Anelka. Fier d'être représenté par un joueur de sa trempe. Ses crochets sont incisifs, sur le terrain les adversaires signent des crampes. Inclassable mais on avance, époque Anelka. Dis-leur qu'on n'est pas tous mauvais, Nico Anelka. C'est vrai que souvent on s'est pas fait, époque Anelka. L'hypocrisie n'est pas ce qu'on pense, dis-leur Anelka. Inclassable mais on avance, époque Anelka. Dis-leur qu'on n'est pas tous mauvais, Nico Anelka. C'est vrai que souvent on s'est pas fait, époque Anelka. L'hypocrisie n'est pas ce qu'on pense, dis-leur Anelka. Inclassable mais on avance, époque Anelka.